Alors, messieurs, un gros bonjour, un gros bonsoir pour nous tous, quel que soit côté de notre côté dans le monde. Moi, rentrer la caille, on comment nous y est. Moi, c'est Gavi Haïti, on l'autre fois encore, nous content pour nous capables de porter vidéo d'information pour vous. Tout grand point tape dominé Haïti, dans le pays d'Haïti ou à l'étranger. N'oubliez pas oublier, abonnez-nous sur YouTube avec sur Facebook, à l'abonnez-nous tous sur TikTok pour capable de joindre toute information qui nous mettez d'ailleurs sur Chanel ça. Allez, dans notre espace, vous pouvez écouter, marquer, s'abonner, cliquer sur le pour un petit cloche monté. Recliquez sur petit cloche encore quittez sur option tout toute vidéo que nous laguer ou c'est premier monde qui va recevoir notification yo. Donc moi remets en pile moi c'est Gavi Haïti si vous remet travail qui n'a fait encourager nous likez pas là donc vous capable montrer nous que vous encouragez nous alba nous love là sur YouTube avec sur Facebook et sur TikTok tout. Donc pour cap dominer actualité dans pays d'Haïti nous connaissons un petit avion qui tombé dans commune Kafou hier mercredi donc ça veut dire qui fait 5 personnes perdu l'avion et plusieurs autres personnes qui blessés. Donc ça veut dire côté avion en tombé à plusieurs autres personnes blessés dans la commune Kafou. Donc ça veut dire donc des populations haïtiennes donc yo a réfléchi concernant de ça qui passé dans drame ça qui passé mercredi dans la cour dans commune Kafou dans pays d'Haïti métropolitaine Port-au-Prince à cause insécurité martissant fait population obligé à pas traverser côte sud là. Faut que obligé arriver dans l'aéroport pour capable prendre un petit avion pour aller dans la destination dans pays Jacmel et ben c'est comme ça les arriver sur route rail train dans commune Kafou. Donc ça veut dire que zone qui est de Chanel et ben c'est comme ça petit avion ça li tombé 5 monde perdu la vie pilote là li mouri tout le sous cabane l'hôpital dans la cour pays d'Haïti. Situation ça li provoke l'esprit en pikay en pilan et moun en tan peyi a pour faire comprendre ça veut dire ça qui a passé c'est à cause autorité salope en tan peyi a autorité sangouin malpropre en tan peyi d'Haïti qui pas résoudre problème matissant qui a cause moun continue à mourir dans situation comme ça et pendant une année yon situation k'ap développé nan matissant dans métropolitaine Port-au-Prince côté autorité l'état haïtien ou pas fait rien pour ça au contraire l'état a cherché à arranger avec une série de lignes avion avec une série de lignes yacht pour capable traverser monde aller pour capable exiger plus monde obligé mourir dans une situation comme ça moi voyez condoléances moi avec sympathie by tout temps famille ça qui perdit moun yo dans drame ça qui passé dans commune Kafou. Hier mercredi, moi voye sympathie by toute famille qui perdit la vie dans drame ça. Yo jeune femme qui gen 28 l'année qui t'a vivre dans Canada pendant 17 l'année et ben li t'est obligé t'a prendre dans la coupe pays d'Haïti pour être capable aller dans côte sud pays dans Jacmel et ben c'est comme ça t'a pral perdit la ville et vraiment brutalement dans accident avion ça qui passé qui fait dans commune Kafou hier mercredi. Donc ça a provoqué vraiment et communauté a pour Ariel Henry prendre décision pour capable l'ouvrir route matissant pour population capable vaquer des occupations de sa capacité. Sa qui passe a donc ça veut dire c'est pas un bagage qui capable répéter ni dans un jour dans deux jours nous connaît pendant la nuit a donc ça te répété déjà dans zone dans sous zone Léogan te gonti avion qui t'est tombé déjà qui t'a pralé Jacmel et bel t'est tombé dans zone Léogan. Et ça prend deuxième fois encore, ça a répété encore, yon deuxième avion tombé encore dans la commune Kafou, dans la zone Chanel, sous rail train. Donc ça veut dire, moun sa yo perdu la vie, yo pa gen, moun ki sauvé, et puis gen un pilote qui blessé, qui était à terre côté avion al tombé, et bien li fait gros dégâts. Dans ce sens, n'a lancé un SOS by l'État haïtien. Donc ça veut dire, monsieur, faut que nous capable de faire pays, même gens l'autre pays fait pays yo. Eh bien, ça veut dire si nous tapons fait pays, nous tapons capable de gagner une ligne avion qui est fiable, mais qui pas tap choisi pour n'importe moun. Donc, ça veut dire, route matissant, pas capable d'empêcher yon moun s'il rentre dans l'aéroport, faut que c'est un avion pour l'obliger prendre pour aller Jacmel ou bien dans le département Grandens. Ça pas possible. Donc, ça veut dire, l'État, c'est parce que nous pas prendre responsabilité, nous qui fait bagay ça ou continuer à répéter. N'a pas demandé autorité l'État haïtien yo tout pays gen ligne avion mais c'est pour moun qui en mesi voyager dans avion mais c'est pas insécurité qui gagne en tant pays qui permet moun nan prend avion
mais moun nan kapab swazi ale nan avyon, mais c'est pas pour insécurité, yon zon de nan dwa moun pa kapab passe, c'est comme ça qui kapab fèl oblige swazi fòk li pran avyon pou l kapab ale. Dans sens ça, l'autre grand point kap domine actualité a nou konnen nan peyi internasyonal yo kote peyi Ukraine kontinye a bombarder avec un pile bomb parce que Ukraine kontinye vraiment là aussi kontinye a frapper très fort nan nou zone ki le Donbas nan peyi Ukraine an pile moun a kouri kite kote là aussi déjà prend zone sa yo okipe zone sa yo nan zone Donbas et an pile moun mouri nan jouk sot passé nan bomb kote Ukraine lage et là aussi lage sou usine et là aussi usine Ukraine gagne côté en pile moun déjà perdu la vie. Dans Lagonave, il y a un accident qui passé dans Lagonave, un petit voilier qui fait accident dans Lagonave, et ben gagne moun qui mouri, un jeune garçon qui t'a témoigné comment situation y est pour lui parce que pendant ce temps il était tombé ou bien tout pendant et voilier était obligé faire clou. Dans République Dominicaine, situation toujours été chaos. Écoutez deux moun, la police dominicaine mettait en bas code. Ça c'est yon boko avec toute madame ni qui prend yon quantité l'argent nan men dominicain pour capable faire boule bolette et ben yo arrêté moun sa yo yo mete en bas code donc ça veut dire y a répondre question la justice dans République Dominicaine. Nous connaît Yuri la Toti sorti dans silence il fait un pile gros déclaration concernant de l'argent qui a pas rentré en temps pays d'Haïti depuis 2011 pour arriver l'année 2022 il fait un bilan quantité l'argent qui rentre dans un temps pays qui pas fait en rien. Yuri la Toti aller plus loin, il fait qu'on est l'argent ça donc ça veut dire qu'il est pour capable faire l'école et capable faire l'autre bagaille en temps pays à côté $1.50 et vraiment moun yo qui dans diaspora yo toujours choisi pour capable payer $1.50 et puis qui pas fait en rien pour pays. Donc ça veut dire et Yuri la Toti fait qu'on est de 2011 ans pour arriver 2021 gain 200 combien millions de 200 combien millions dollars américains donc ça veut dire 22,000 combien millions dollars américains qui gâté en rentré en temps pays mais qui pas fait un rien sérieux en temps pays donc ça veut dire et pays d'Haïti nous connaît son pays des autres donc ça veut dire côté moun pas capable gagner vraiment aucun franchise au bien côté moun capable faire en pile aucun confiance dans ça qui a passé dans la coupe d'Haïti et c'est pour raison ça lui la Toti il annoncé donc ça veut dire faut bagaille ça yo yo capable ranger en temps pays pour nous capable gagner une institution ou bien l'état qui faut qui a construit pays donc dans l'argent qui a rentré en temps pays qui pas fait rien et yo toujours a touché $1.50 depuis 2011 pour arriver chaque journée aujourd'hui à qui pas gain en rien que sérieux qui fait dans ça qui a passé. Donc ça veut dire pays d'Haïti nous connaît son pays rara, un pays désordre, un pays côté monde pas vivant, son bon monde qui sont bouté mais nous pas vivre. Donc dans sens ça, n'a demandé autorité l'état haïtien faut que capable prendre des mesures pour capable soulager misère peuple haïtien. Nan au cap gen un gros flamme de feu qui boule qui passé dans au cap dans côté de moun perdu la vie dans di feu ça qui passé dans au cap donc ça veut dire côté moun ça nous pas connaît est-ce que c'est gasoline yo te gen en temps la caillou et même de moun maman avec toute petite yo perdu la vie dans un gros flamme de feu qui vraiment qui boule yo caille dans au cap dans notre pays donc situation chaque jour nous tendez ces mauvais bagaille qui passé dans Jacmel tout pendant semaine nan, nous connaissons gros difficulté à bouler dans Jacmel et ben côté gen pile pèd et qui fait temps dans Jacmel situation donc li rete kao côté population haïtienne a traversé un moment qui c'est difficile parce que nous gen un état qui pas fonctionnel côté moun yo a créé des ordres côté tout moun a vivre peut-être yo l'état pas responsable ça qui a passé en temps pays a ça cause vraiment qui fait bandi yo yo vin fort en temps pays a dans plusieurs zones dans métropolitaine Port-au-Prince vin tourner en zone de l'endroit dans canal 5 dans temps ça veut dire population dans canal 5 fait qu'on est zone ça bandi yo l'acheter l'argent content et alerter la police si yo ta vle rentrer dans zone ça faut que capable faire en pile prudence pour même ça qui arrivé 12 mars 2021 donc pour pas arriver dans zone canaran parce que et bandi yo très fort dans zone canaran 5 ans donc ça veut dire son situation qui a développé côté bandi yo vinn faire base yo donc qui pral permettre l'état pas capable avancer sur yo.
Et n'a pas de l'État haïtien, il faut plus capable de faire tout ça qui est possible parce que nous gagnons un pile haïtien qui a vécu à l'étranger, dans le pays à l'étranger. Il y a besoin, il y a un casier judiciaire, il n'y a pas capable de joindre ni. Donc, n'a pas demandé aux autorités de l'État haïtien pour qui ça nous mettait ambassade dans, plus, dans tout pays. Donc, ça veut dire si un haïtien qui a vécu à l'extérieur du pays, il est obligé de forcer en Haïti pour la obligé de voyer, payer un bandit ou bien payer un racket pour être capable de faire un casier judiciaire. Et puis, il y a une ambassade dans tout pays côté haïtien à vivre. Il n'y a pas capable de jouer un casier judiciaire. Ça. Donc, nous avons demandé aux autorités de l'État haïtien pour faire tout ce possible pour être capable de corriger la carrière pour vraiment immigrants ou bien citoyens haïtiens qui vivent dans quel que soit pays pour être capable de jouer une nécessité. Papier qui ont besoin dans le pays côté à vivre, même gens tout pays fait, mais nous-mêmes en Haïti, il est pour nous capables de sortir dans le vieux système corrompu ça qui n'a vivre là pour les immigrants capables d'avoir accès pour joindre un casier judiciaire ou bien n'importe papier qu'il a besoin de joindre ambassade pays côté à vivre là pour capable de joindre. C'est toute information ça nous mettez dehors, Napando. Pas oublier, abonnez-nous sur YouTube avec sur Facebook pour information capable toujours rester n'importe quoi. Merci, merci tout le monde. À la prochaine. Ciao.